Oh punaise. Il y a un char. Il y a un char. Oh là, ça va être tendu. Toujours pas de lance-roquette. Il y a un mec là, non? Attends. Non, il y a personne. Je croyais qu'il y a un... Oh putain. J'ai eu chaud, c'est le char qui nous a tiré dessus. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Allez, Matt. Continue à parler de moi à la troisième personne et à la première. Pas grave. Matt perd vraiment la boule. Ah, il y a des mecs ici. Non. Arrosez là-bas, les gars. Là, là, là. Oh putain, il y a des boches. Il y a des boches, il y a des boches. Oh bordel! Mets-toi à couvert, Tipex. Non, couvert, j'ai dit. Oh putain, c'est tendu là. Comment je fais pour aller détruire le char là? On voit toujours que dalle hein, avec cette. Cette petite brume là, ce brouillard de fumée là, merde, y'a un mec qui est levé. Attendez, on va changer d'arme, ça sera plus simple. Sors ta tête, garçon. Oh putain. Allez. Je sais pas si les copains là, ils peuvent pas. Oh, ils arrosent sur le char, mais ça sert à rien. Il va falloir que, je me rapproche. Hein. Ouais, je vais devoir me rapprocher. Tant qu'il tire pas le cas. Oh putain, il y a le feu. Oh là 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 là. Oh putain. Non, 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 garçon. Allez, je me casse. Oh! Il est où, il est où, il est où? Oh putain, Matt, il devient ouf. Oh, c'est moi, je l'ai fumé. Nice. Oh. C'est bon, ça. Tout le monde est mort. Eh les mecs, c'est bon, je l'ai eu. Wouh! C'est tendu. Ah merde, je pouvais monter là-haut, ça se trouve, il y avait... Eh mais... Ah putain! J'ai des munitions, je sais même pas. Ah là, il y a des munitions. Ah, j'aurais pu le fumer avec ça, en fait. Bon, je me suis pris la tête. Oh, c'est pas grave. J'ai eu chaud. Bon, les gars. Vous pouvez venir. Portland, tout le monde ici. Jasper, restez derrière. Eh mais attends, quoi ce délire? J'ai récupéré mes 3 unités. Pas tout saisi là. En position. Tout à l'heure je les avais pas et là je les ai récupérés. Bon, faut qu'on aille par où? Ça a l'air d'être... Attends, bah je vais monter, je vais voir. Ok, on va pas monter sur la rambarde. C'est peut-être là-haut que ça se passe. Jasper, c'est parti. Non, c'est pas là. On va les laisser là-haut pour l'instant. Alors c'est quoi la mission? Je vais faire quoi là? Je ne sais pas. C'est quoi? Je vais progresser dans le champ là où il y a le blindé. Là, je vais voir. Non, rien du tout.
Super. Là, y a des blindés qui arrivent, d'accord. Il me restait des mecs à tuer. Oh putain. Recharge, recharge l'ami. Je crois que je l'ai eu. Négatif. Voilà, je crois qu'il a sauté. Ok. J'ai vu que là il y en avait un autre. Donne-moi tes munitions, man. Non. Donne-moi ça, s'il te plaît. Il est où ce con? Quel est là? Oh putain, j'ai chaud! Je sais. Le mec pouvait pas le fumer lui! Non, c'est pas possible! Non, non, viens là! Oh merde, j'ai dit de bouger, j'ai merdé! Je sais pas du tout c'est quoi le viseur en fait du. Ouais, je tire au-dessus en fait. Il est où ou pas? Putain, je suis. Je capte rien. Il est mort, oui, c'est ça, il est mort. On est d'accord. Il y a des mecs. Où ça? Ça tire où? Ça tire où? Là-bas. Oh putain, il y en a encore! Vous êtes sérieux, les man? Mettez-vous à couvert les gars, sérieux. Mettez-vous là les mecs. Juste récupérer des munitions. Là c'est un peu... comme dans un rêve, genre le mec tout seul il arrive à fumer tout le monde. Oh nice. Ouh putain ça pète. Il n'y a plus le feu du coup, le feu est éteint. Merde, Sam ! Je crois qu'il pète des câbles, Matt. 20 minutes plus tard, près du Den. Oh putain, c'est Corion ! Un médecin tout de suite ! Il est évanoui depuis combien de temps ? Des minutes, je crois. Mettons-le à l'intérieur. Sauf Corion. Après Red, Corion est au sol. Nos chers disparus. Le 24 septembre 44. On repart. On retourne sur la route de l'enfer en passant par Vegel. Continuez. Je sais tout pour Kevin. Je ne connais pas de Kevin. Le soldat Kevin Leggett. Je l'ai rencontré près de 40 ans. Il avait l'air terriblement perturbé par quelque chose. Il m'a assez vite raconté de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement ce que j'ai déjà essayé de vous dire, Matthew. Que vous cachez certaines choses à propos de la mort de ces soldats. Allen et... Crash, j'ai oublié le nom de l'autre. Garnett. Ouais, c'est ça, Garnett. Dites-le leur, sinon je le ferai. C'est à vous de voir, vieux. Ouf. C'est bon de te revoir à l'action, Paddock. Pas l'air content, Paddock. Quelque chose qui te tracasse? Enfin, quelque chose en particulier? Pendant la partie de poker, en Angleterre, quand on s'est bagarré, j'ai dit une connerie. J'ai juste expliqué que si on entrait comme ça, Marsh et Fryer allaient y rester. Et ils ont tous pris la bouche. Je voulais juste leur rendre service. Mettre le doigt sur une faille de notre unité.
voulais pas le dire aussi durement. C'est comme si c'était moi qui les avais tués. Tu cherches l'absolution? Est-ce que c'est la même chose que le... T'es raide? Je crois pas que ce soit notre pardon dont tu as besoin. Je crois que tu devrais parler à Campbell. Il peut toujours pas parler. Mais il peut écouter. Les guettes? Oh, mon pote Matt. Oh, putain, l'aîné Garnett. Il y a autre chose. Quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Ça ne va pas vous plaire. Qu'est-ce que c'est? On va enfin savoir ce qui s'est vraiment passé. Désolé. Les guettes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est stupide. On devrait faire marche arrière. C'est où l'arrière au point où on en est? C'est ce qu'il y a dans ton dos. Mac a dit... Bon Dieu, Lex, vous êtes mariés, Mac et toi? Vous partez en vacances ensemble? Et voilà, on y est. C'est parti pour les grosses conneries bien macho. Eh, hey, les gars, tu sais ce que c'est ton problème, les guettes? Ouais, c'est toi. C'est toi, mon problème. Non, c'est toi. Vous pourriez pas la boucler, tous les tu deux? Tu supportes pas les gens. Personne peut te sentir. Personne ne peut me sentir, Alan. Ouvre les yeux, ils te détestent aussi. Les gars, n'arrête pas de parler de toi dans ton dos. Même Garnett. Les guettes, boucle-la. Y a des Allemands partout. Je m'en tape. Eh, hey, les Allemands, on est là. Venez nous tuer! Pète un câble. Les guettes! Si t'avais des couilles, tu m'aurais déjà frappé! Donne-moi une bonne raison! Aïe. Et ça, c'est pas une putain de raison! Nom de Dieu, les guettes! C'est entre moi et... Et Allen! Merde! Les guettes! Allen! Foutez! Non! Oh putain. Guette, ne répétez jamais à personne ce que vous venez de me dire. Pourquoi? Parce qu'il vous tuerait. Et du coup, ça l'a tué lui. Il n'a rien vu. Que dois-je faire? Vous ressaisir. Allez, Matt, là. Ressaisis-toi, mec. Il y a un moulin à vent juste de l'autre côté des dunes. On sait que la majorité des Allemands se défend toujours depuis les maisons qui se trouvent plus loin. Vous allez monter un poste d'observation là-haut pour que ces salopards n'aient nulle part où s'enfuir. Paddock! Vous pourriez nous monter là-haut, Holden et moi? Je pourrais même y monter un piano! Utilisez l'artillerie, puis concentrez vos tirs sur tous les boches qui pourraient sortir de là. La 502e et la 506e entreront à Covering après vous.
Alors rendez-vous avec ceux que vous trouverez sur place. Bonne chance, messieurs. Oui, mon colonel. Merci, mon colonel. On est au complet, les mecs. Pas au complet. J'ai récupéré 3 unités. Allez. Suivez-moi. Ramenez-vous. Là-bas que ça se passe. Restons groupés. Unité, ramenez-vous ici. Restez baissés et allez-y. J'y vais. On se relève vite et on vous installez là-bas. Allez, on est spoté, on est spoté. Va falloir arroser les mecs. Non, 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 viens là, viens là, viens là. Juste que t'arroses là-bas, s'il te plaît. Et vous arrosez là-bas, merci. J'arrive. On va s'en occuper comme à l'ancienne. Matt a repris du poil de la bête. Ouh. J'ai plus le temps, les mecs, j'ai plus le temps. Oh, oh, ça par contre, ça blague moins. Oh oui, ça, ça blague moins. Les mecs, j'ai besoin. J'ai besoin d'un plus-feu là. On va arroser cette position là-bas là. Ah, ça va être tendu. Que je l'ai eu. Il est mort lui aussi. Bien joué les gars. Ok, j'avance un peu, je progresse un peu. Arrosez, arrosez, arrosez. Vous venez avec moi là. Allez, on y va. Arrosez-moi ça là-bas les mecs, si vous possible, si vous pouvez. Une petite grenade. Allez, venez les mecs. Oh putain, il en reste, 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 il en reste. C'est bon, ils sont au sol. Allez, arrosez la position. Venez là vous. Jasper, venez avec moi. Jasper, venez ici. Ça c'est fait. Ok, là, là. Il a dit mon vieux. C'est bon, Jasper. Pourquoi j'ai sorti cette arme là, moi? Je sais pas. Non, non, Jasper, restez là, vous êtes bien là avec la mitrailleuse. Paddock. C'est vous que j'ai besoin de moi. Avec moi. Paddock, venez là. Allez, on arrose, on arrose, on arrose. Comment ça, ça vous nous mènera nulle part? T'es un ouf toi. Tiens, regarde, ça va nous mener nulle part. Je suis à sec, balancez un tir de couverture. Je couvre. Jasper, on s'est là-bas. Allez, venez avec moi là. Vous les laissez un moment. On s'est bien réveillé. Je suis prêt. Jasper, bougez-vous. On sera à Berlin en décembre, non? Bah non. Arrêtez les mecs là, merde. J'ai repris du poil de la bête. Allez, on arrose, là on arrose. Paddock, j'ai besoin de vous ici.
Paddock ici. Et vous m'arrosez là-bas. Allez les mecs, on y croit. On est chaud. Ah merde, putain non. Vous avez entendu ? Par là ! On va te blesser ! Jasper ! Visez cette zone ! Merde, les mecs, mets là. Putain, je les ai envoyés au charbon. Oh, comment j'ai merdé ! Putain, j'ai merdé. Ils sont tous tombés, quoi. Mauvaise manip, les mecs. Où le canon ? Oh, comment j'ai merdé! T'as pas le temps de tourner le canon! T'as pas le temps, je t'ai dit! T'avais dit que t'avais pas le temps! Oh putain, j'ai posé la charge! Et pourquoi il m'a pas tiré dessus? Il a kiffé mon action! John McClane. J'ai besoin de vous ici et maintenant. J'ai récupéré mes 3 unités. Rassemblement. Ça c'est cool ça. Comment ça se fait? Oh. Vous devez aller là-bas. Les mecs, j'ai besoin de feu nourri là-bas là. Attends. Fais une équipe ici là. Paddock. Allez. Ah, c'est tendu quand même. Jasper. Alors attends, Jasper, faut vraiment que t'arroses, hein. Arrose. On va essayer de progresser, ça va pas être évident. Allez, on va y aller. Putain, j'ai pas de fumigène, les mecs. Arrosez tout, les mecs. Ils sont où, les Allemands, là? Oh, c'est chaud pour passer. J'essaie de me la faire. Il y en a deux. Bim, 1. Allez, sors ta tête. Putain, merde, y'en a un ici. Prends là ta tête, bordel. Oh là. Oh, y'a le canon. C'est chaud. Mec, j'ai besoin de vous. Ah, vous êtes déjà là, c'est bon. Restez là. Parfois que je m'occupe du canon, les gars. Putain, j'ai pas eu encore le man. Ou c'est un autre qui a pris la... J'arrive pas, là. Tendu. Pourquoi je répète les choses deux fois, je sais pas. Oh, le canon. Oh, j'ai chaud. Ah putain, il a tourné. Ah, je l'ai pu. Je vais laisser tourner son canon. Voilà, ça c'est bien. On a neutralisé le tir du canon. Toi t'es mort. Les mecs, arrosez tous là-bas s'il vous plaît. J'ai besoin de vous pour passer.
J'ai vraiment besoin de vous là. Il y a des munitions ici. Hop. Allez. Je sais, il faut que je détruise le canon. Ça, je sais. Et on se barre en courant. Les mitrailleuses, elle est encore en état de marche, je pense. Allez, allez, allez! Venez là, venez là, venez, il y a du monde qui arrive là. C'est bon, ils sont morts. Bien joué, les mecs. Par contre. Lol. On a attendu. On a attendu juste derrière. Allez là-bas, besoin de vous ici, Paddock. Oh putain! Il est tout seul le man là? Venez ici! Resserrez la formation! Couvrez-nous de là-bas! Ok, je bouge, j'y vais. Allez, venez les mecs. Il est venu tout seul? Non, il est pas tout seul, c'est pas possible. Vite! Installez-la là-bas! Ok, j'y vais! Je bouge. Bien, venez là les mecs, vous. Oh oui, encore un canon, putain. Ça va être tendu. Oh bordel. Va falloir gagner. Mec, va falloir y aller là. Allez, allez, on jette la grenade. Arrosez là, là. Putain, ils sont où? Allez, on arrose tout le monde là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je passe en dessous moi, dans les tranchées. Essaye de les tenir loin là. Ok, ça c'est fait. Putain les mecs, j'ai besoin de vous là, faut niquer la mitrailleuse. Voilà, ça c'est fait. Plus personne pour prendre cette mitrailleuse. Ah putain si. Merci. Voilà. Et plus personne au canon non plus. Hey, il a repris le canon man. Encore du monde ou pas? Quoi ce délire? Ça tire là-bas, sérieux? Oh bordel. Alors je reviens juste détruire ce canon. Je vais faire le tour. Non mais normalement il n'y a plus personne. Ok, c'est bien ça, il n'y a plus personne. Allez, on se barre. On se barre. Voilà, ça c'est fait. Par contre les mecs... Allez, 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 allez. Faire gaffe, faire gaffe, faire gaffe, faire gaffe. Oh putain, il est là-bas le canon. Je pense que je peux passer par là. Venez avec moi. Paddock. Paddock, venez là. Allez, arrosez-moi ça, arrosez-moi ça. Est-ce qu'il y a encore du monde? Derrière l'arbre, il y en avait un. Il n'y a personne. Par contre, j'ai peur de passer sous le pont. Ok, j'ai visu sur le tireur. Au canon. Oh merde, vite recharge. Voilà, ça c'est fait. Eh, hey, toi me tire pas dessus, enfoiré, j'ai pas envie de crever.
J'espère qu'elle est bien lancée la grenade. Je vais amener une équipe ici. Enfin, plutôt ici. Viens là, Jasper. Là. Elle devrait être bonne cette grenade, elle devrait être bonne. Allez, passe. Ça m'a fait peur le bruit du moulin. C'est bon les mecs. Alors, venez par là. Non, par là. Par là. Oh putain, il y a du monde qui arrive. Ah non. Putain, je me fais peur tout seul, c'est méga. Je les ai vus se bouger au fond, mais en fait j'ai oublié que c'était là-bas. Allez, on pose l'explosif. On observe le feu d'artifice, les mecs. Voilà. Bien joué, les gars. On va établir la communication radio. Bon, Paddock et Holden, vous restez en arrière pour établir la communication radio. McCreary, Dawson, Cortland, vous êtes avec Zanovich. McConnell, Roselli, vous suivez Campbell. On y va tous ensemble.